Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On est le jeudi 23 juin 2016, il est 7h30 et je vais vous embarquer avec moi pour mes sessions tatouage pour la manchette de mon bras gauche. C'est parti aujourd'hui pour une session de 5 heures. Je suis vraiment passionné par la vidéo. C'est aussi un fan de Thor. Pour que je vous explique, alors ici on a mon scorpion qui est mon signe astrologique. Ici on a le sagittaire qui est le signe astrologique de ma soeur. Le verseau, signe astrologique de ma mère. Et ici on a un joli capricorne, c'est le signe astrologique de mon père. Donc j'ai voulu les représenter tous par leur signe astrologique et en plus ils se suivent tous dans l'ordre astrologique vu que moi je suis né 12 novembre, 30 novembre ma sœur, le 13 janvier mon père et le 2 février ma mère. Et donc si on remarque bien, on peut voir que la flèche de l'arc du Sagittaire a cassé le pot du Verseau qui verse son eau sur le Capricorne qui est un animal aquatique. Ah bah non, tout de suite, mon premier pas. Non, faut pas avoir peur les gens, c'est moi qui suis douillé. Chaque fois que je suis là, je me dis mais pourquoi je suis venu? Ça fait mal. Plus jamais. Et un ou deux ans plus tard, je reviens. Une nouvelle machine sans fil. Si tu veux, on te tatoue le pouce, soit on est gentil, soit on l'est pas. Ah, si on est gentil, on tire tout le temps la peau pour qu'elle soit pas sur le pouce. Si on n'est pas gentil, on tire tout le temps la peau pour qu'elle soit sur le pouce. C'est pour ça qu'en fonction de... Ça va, je suis tombé sur un gentil. De l'affinité que tu as avec ton tatoueur, du coup ça fait mal. Par contre ça finalement. Moi il devait pas m'aimer parce que j'ai dérouillé. C'est rassurant, ton tatoueur qui dit qu'il a dérouillé. Ah, il est sec, tu peux remettre un peu de... Oui, je le sens que c'est sec. Allez, viens, attends. Hop. Voilà, donc maintenant que les contours sont faits, on va unir tout ça avec un dégradé de nuages et d'étoiles pour unifier les trois pièces avant de faire le remplissage. Donc maintenant qu'on a placé les étoiles, on fait... les nuages. Donc là il vient de me poser les nuages et les étoiles à la main et c'est parti pour les contours des nuages. Donc en fait tu fais ta taille, donc moi je fais 1,73 ouais. Fois 1,113. Oh. Ça te donne 2,99, on va dire 3 ouais. Et donc je prends mon poids actuellement à 77, je divise par 3. Ça me fait 25,6. Mmh. Eux, ils veulent que ton IMC soit entre 18 et 25. C'est-à-dire que là, je dépasse de 0,6. Là, normalement, je saute pas. Totalement débile. Ah, on va te dire comment on ne chauffe pas. Ça touche plus que tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que t'en as.
Maman, si tu regardes ça, fais pas la tête. C'est pour toi, je fais ça. Ah. Je sais que t'aimes pas les tatouages. Merci, le téléphone. On va essayer de faire très vite. Ah, t'as été plus bas que le dessin. Waouh. C'est quoi cette zone d'enculé là? J'en peux plus de cette zone. Franchement, viens. Vite partir de là. On y est presque. Et après, je me demande comment tu vas remplir ça, parce que je vais en chier ma race, hein. Pas tant que ça. Il est rassurant, cet tatoueur. Putain, mais chaque ligne, putain. Sur la veine du bibi. C'est une bonne ligne. Ah ouais, merci de dire qu'on la voit pas. Non, c'est quand je suis décongestionné. Elle est là, mais là, elle est trop endormie. Ça, ah, le truc, le petit truc là. Je te montre en photo, ça rend mieux. Je suis pour que les tatoueurs aient le droit d'anesthésie. Une petite injection juste avant là. Je suis fatigué d'avoir mal. Ouais. En fait, t'as tellement mal pendant longtemps que t'en as marre et ça te fatigue. Oh, ça m'énerve. Petite collation, parce que j'en peux plus. Donc du pain complet, beurre de cacahuète, 100% cacahuète, de chez My Protein, et du blanc de poulet. Donc là, t'as mis la même encre, mais pas la même quantité dans chaque pot. Et donc ça te fait ton dégradé. Ouais. Et ça, c'est un petit peu de blanc. Pour mettre un petit peu de gris dans le mélange. Allez, on est parti. Là, on fait le remplissage. Le remplissage, c'est quand même plus agréable. Voilà, donc fin de séance pour aujourd'hui. Donc, on a pu faire les contours des trois pièces plus les nuages et on a commencé à attaquer les nuages sur l'avant-bras. Et je suis super content du résultat. Voilà, j'espère que cette première session tatou vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir la deuxième. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les murs de ceux qui veulent se faire tatouer très bientôt et qui veulent voir comment ça se passe. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ami. C'est un ancien militaire parachutiste comme moi. Il a commencé les compétitions à Men's Classic et aujourd'hui, il est en bodybuilding moins de 90 kg. Il s'appelle Anthony Gineste.